Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Aujourd'hui c'est jour férié, je suis avec Arnold. Coucou. Arnold que vous reconnaissez, on est allé manger des gaufres. On est allé manger des gaufres liégeoises. Ouais. Et là cette fois on va prendre la direction du comptoir de Lulu, donc encore le comptoir de Lulu, j'y suis pas mal en ce moment. Vous avez vu, il y a les soirées burgers, je me retrouve un petit peu en cuisine, mais ça je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo. En attendant, aujourd'hui c'est le brunch. Alors le brunch je ne le fais absolument pas, j'ai jamais trop compris le concept du brunch. Tu brunches toi d'habitude? Ouais, moi je kiffe le brunch et ce que j'aime toi, bien t'es un bruncheur. Je suis un bruncheur, mais j'aime bien parce que tu manges tous les trucs là, mojettes, un peu tout, ouais. Saucisses, ouais. Machin, moi j'aime bien. Bon, j'ai jamais trop compris, mais bon, on va aller découvrir le brunch de Lulu, on va aller voir comment ça se passe là-bas. Il me paraît qu'ils font un brunch vegan, vous savez, moi je mange toujours de moins en moins de viande, j'ai pas changé, donc on va aller découvrir ça. On vous emmène, nous sommes rue du Mirail juste à côté, on y va et on se retrouve là-bas, à tout de suite. Voilà, nous y sommes, le comptoir de Lulu, vous avez vu hein, au passage, hein, on a commencé à refaire un petit peu la déco, mais ça, il y aura une vidéo spéciale sur tout ce qu'on est en train de faire. Et ben allez, c'est parti. Bonjour, c'est Priscilla. Alors moi je travaille au comptoir de Lulu pour le brunch tous les dimanches. Donc le brunch est composé d'abord de panières avec des viennoiseries, du pain, du beurre et de la confiture. Et donc le plat principal c'est une grande assiette salée avec un muffin anglais, du bacon et des œufs brouillés. On a des pommes de terre grenaille, on a aussi deux pancakes, un dessert avec fromage blanc, fraises et mousseli. On a aussi une tranche de melon. C'est le brunch qu'on sert en ce moment, mais après le brunch peut changer en fonction des saisons, toutes les semaines il peut changer aussi. On peut aussi proposer le brunch vegan, donc avec des pancakes vegan, on remplace le muffin par autre chose. Enfin, on innove un petit peu quoi. C'est un brunch donc 100% végétal. Lulu, comment vas-tu? Très bien. Les gens qui nous suivent remarqueront pour une fois, tu n'as pas ton verre de rosé. Je n'ai jamais de verre de rosé. Ah d'accord, c'est ouais, des petites rumeurs. Bon, j'espère que tu nous as préparé un bon brunch. Super. Il bon fait brunch. Très beau, je vais m'installer en terrasse. Vends-moi du rêve. Du rêve. Arnold, ça sera brunch classique et moi brunch vegan. Voilà, allez c'est parti, on s'installe. À tout de suite. Vends-nous du rêve. Ce petit brunch est en train d'arriver. Quelle heure est-il? 13h30. Est-ce que c'est une heure pour bruncher? Oui, mais c'est un peu tard. Ouais, mais écoute, on va s'adapter. Tant qu'on arrive, donc classique pour toi, végétal pour moi. On va voir, on va attendre que tout arrive. Et puis c'est parti, ça va être la dégustation générale. Et les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Donc, avec ce brunch qui est composé principalement de deux parties, d'avoir une petite panière avec les viennoiseries. Donc, dans le brunch classique, on va être sur chocolatine, croissant, du pain, confiture, du beurre. Et pour moi, en végétal, ben, un petit peu la même chose. Mais on n'a pas encore les chocolatines et les croissants vegan qui arriveront plus tard. Mais on a bien sûr remplacé le beurre par de la margarine. Et voilà, au niveau des boissons. La différence principale, le lait bien sûr traditionnel qui est remplacé par le lait de soja. Allez, c'est parti. Cette assiette salée en tout cas a l'air très gourmande. Elle est composée de un petit peu plein de préparations. C'est ça que j'aime quand c'est bien coloré comme ça, etc. Voilà, allez, c'est parti. Arnold, bon appétit. C'est pareil, on y va. Tartine avec de la pâte à tartiner, donc végétale, qui est très très bonne. Et là aussi, hein, pour ceux qui font les caricatures, etc. Et que je pouvais faire aussi avant que je commence à manger un petit peu comme ça. Végétale, mais alors très très fat. Alors, en termes de calories, là je vais tout casser, c'est pas grave, une fois par semaine. Bah, les gars, ça c'est oufissime là, ça c'est de l'œuf et tout là. C'est que de la prod ça en plus, donc bien consistant. Je vous conseille ça là. En même temps, c'est le premier truc que je goûte, mais déjà je suis amoureux. Bon, vous savez hein, que moi je peux manger quand même vraiment beaucoup beaucoup, mais là je n'ai clairement vraiment plus faim. Arnold, toi tu finis? Ouais, moi j'ai pas faim aujourd'hui, mais heureusement c'est très bon donc bon voilà, on va finir. Alors ce qui est important, c'est que sur le brunch donc du comptoir de Lulu, il y a les boissons à volonté. Donc le café, le chocolat, thé vert à la menthe, le jus d'orange pressé, tout ça à volonté. Donc du coup, je vais finir ce repas pour digérer avec un nouveau petit thé. Oh bien voilà, brunch terminé, ma chemise va pas tarder à péter. Donc voilà, c'était vraiment très bon, c'est très gourmand. Et je dis pas ça parce qu'on fait des soirées ici, etc. C'était vraiment une assiette qui est très jolie et qui est surtout pleine de goût. Et ça, on adorait. Et les boissons à volonté, hein, c'est aussi exceptionnel. Là aussi, je pense que je dois avoir bien 2-3 litres de thé dans le ventre. Ah, ça commence à piquer. Merci Arnold d'être venu pour ce petit brunch qui nous a bien régalé. Donc toi, on peut te trouver sur Instagram. Tiens, parle-nous un petit peu de tout ce que tu fais et ton compte Insta. Ben, moi, du coup, donc coucou à tous. J'ai un Insta qui s'appelle Arnold Valade.
Arnold comme Arnold Schrödinger et Valade, V-A-L-A-D-E. Et en gros, sur Instagram, mais moi j'ai un Insta lifestyle santé et dédramatisation de la maladie par le handicap. Donc vous pouvez aller me suivre si vous voulez recevoir des ondes positives tous les jours. Moi je suis un guerrier, j'ai 4 maladies et du coup ma thérapie aujourd'hui c'est de vous rendre heureux. Ça me rend heureux également. J'ai également gérant de la communication pour l'association Martin Petit aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir. Martin Petit, bah, c'est la figure emblématique du handicap sur Bordeaux. Et cette personne, eh ben, c'est également un warrior. Je m'occupe tout simplement de gérer la com pour lui. J'en suis très très heureux. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Association Martin Petit. Sur ce, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La chaîne YouTube Les Apprentis Chefs. Vous trouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com. Et on vous donne rendez-vous comme d'habitude très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.